Wejden, présidente de la République, un tournoi de tennis à huis clos, un pilier de la télévision française contraint de repousser sa rentrée, une révolution annoncée dans le cirque et Gims à l'assaut des séries télé. C'est parti pour la rentrée des 5 infos. Wejden est la nouvelle présidente de la République. Non, ne flippez pas. Après les candidatures d'Affida Turner et de Jean-Marie Bigard, effectivement, il y a de quoi flipper. Mais là, c'est pour lancer son premier album intitulé 16 que la jeune artiste de 16 ans s'est mise en scène comme présidente. Un coup de com', mais aussi une démarche féministe, et ça, on va pas s'en plaindre. Pour le reste, 24 heures après son lancement, l'album compte, accrochez-vous bien, plus de 2,7 millions de streams. Depuis le 27 septembre, c'est la nouvelle édition de Roland-Garros qui se tient à Paris. Compte tenu des conditions sanitaires et de la météo, on va pas se mentir, c'est plutôt difficile pour les joueurs. D'abord parce qu'il fait super froid à Paris, d'ailleurs quelques joueuses se sont plaintes de ces conditions. Mais aussi parce que c'est la première fois que le tournoi se tient sans public. C'est triste pour les joueurs et c'est triste pour nous, mais heureusement qu'on a Nelson Montfort pour se faire remarquer. Merci. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, tout un nom. S'il vous plaît. Merci. Bon, là, on parle du patron, du boss de la télé, donc on va se calmer 5 minutes. Mine de rien, c'est la première rentrée qui se fera sans Michel Drucker. Non, mais vous vous rendez compte? C'est pas arrivé depuis plus de 22 ans qu'il anime Vivement Dimanche. Bon, sérieusement, la raison est légitime, puisqu'en fait, il doit subir une opération du cœur pour éviter les risques d'infarctus. Il est maintenant au repos et on lui souhaite vite de se remettre sur pied, puisque sinon... Qu'est-ce que nos papis et nos mamies vont regarder à la télé dimanche? Là, c'est une super nouvelle qui nous fait plaisir et une très bonne décision du gouvernement. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé que la présentation d'animaux sauvages dans les cirques va être progressivement interdite. Il est temps que cette fascination pour ces êtres sauvages ne se traduise plus par des situations où l'on favorise leur captivité par rapport à leur bien-être. Voilà, une parole qui fait du bien. La transition va se faire petit à petit et des solutions vont être trouvées pour ces animaux dans les cirques. Oui, vous avez vu, je me suis grave entraînée cet été. Vous connaissez tous le générique de Demain nous appartient. Eh bien, une nouvelle série va être lancée et elle va s'appeler Ici tout commence. Et à mon avis, le générique va être très différent. On a en effet appris que c'est Maître Gims qui va signer le générique. Ah ouais, ça rigole plus chez TF1. C'est la fin de ce numéro, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine.